semaine un petit peu particulière, je ne sais pas, un peu d'agitation autour du club, je ne sais pas dans quelle mesure ça a perturbé, aidé la préparation du match de dimanche. Bon, on a fait une semaine classique pour nous, hein. C'est un très normalement, même si il y a eu le départ de Romain et l'arrivée de Youssef. L'arrivée de Youssef, elle compense, enfin je veux dire sur le terrain, il pourra jouer à la position qu'occupait Romain jusque-là. Il peut, oui. Il joue comme ça en sélection. Hein. Sélection, il joue en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Et nous, on va jouer en 3-5-2. C'est décidé, c'est un changement tactique qui est... Et vous verrez au match. Est-ce que tu sais déjà si Youssef, tu pourras compter sur lui dès dimanche pour commencer le terrain, enfin pour commencer le match. S'entraîner normalement. Hein. Physiquement, il paraît... S'il peut jouer 45 minutes, il joue 45 minutes. S'il peut jouer une heure, il joue une heure. S'il peut jouer tout le match, il joue tout le match. On a Romain Del Castillo aussi qui revient, qui s'entraîne normalement aussi toute la semaine. Lui aussi, il peut démarrer le match. Pollan, il est out. C'est le seul joueur qui est pas dans le groupe. Qu'est-ce qu'il a? Il a mal derrière la cuisse. Ah, ça fait 15 jours déjà. Un petit mot sur l'opposition de dimanche, Rennes. Il y aura notamment l'équipe Laborde, un garçon que tu as bien connu à Montpellier. Ils ont la board, ils ont beaucoup de monde. Hein. Ils ont beaucoup de monde de grande qualité. C'est une équipe qui est programmée pour jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Ah, on a su les accrocher sur la phase aller en début de saison. J'espère qu'on va avoir la possibilité de ramener des points de là-bas. Confirmer ce qui a été fait contre Lille. Oui, bien sûr, contre Lille, pas contre Nantes. Ah oui, si on joue de la même manière, avec la même volonté, le même désir de travailler ensemble offensivement, défensivement, on aura une chance de ramener des points. Si on joue comme à Nantes, aucune possibilité. Ah, on aurait pu avoir l'opportunité de jouer Bastia à la maison. On n'a pas joué le match, on n'est pas allé là-bas pour gagner. Pour revenir sur Romain Fèvre tout à l'heure, est-ce que ça peut déstabiliser l'organisation tactique de... Romain Fèvre, il est à Lyon aujourd'hui. On a un effectif à faire travailler, à faire progresser, pour bien jouer ensemble. Je ne parle plus de Fèvre. Il ne nous appartient plus, Fèvre. Comment composer sans lui? On va faire sans lui. On va faire avec les joueurs qui sont là, tout simplement. C'est les joueurs qui sont là qui vont nous permettre de gagner les matchs qu'il faut pour, dans un premier temps, rester en Ligue 1 et dans un deuxième temps, j'espère avoir la volonté de terminer les 10 premiers. Ça peut passer par là. Après, c'est quand on discute avec eux, c'est tous des compétiteurs, ils ont tous envie d'aller très haut. Il faut qu'on le montre ensemble sur le terrain. Ça peut passer par une organisation tactique, t'évoquer un 3-5-2 tout de suite. Ben oui, vous verrez. Vous aviez déjà essayé le 3-5-2, il me semble, en début de saison, ça n'avait pas très bien fonctionné. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois, ça peut être la bonne solution? Vous verrez comment on va s'articuler et comment on va le jouer. Comment? Par rapport à Rennes, quelles sont les qualités de cette équipe, même s'ils ont un coup de moins bien en ce moment C'est une équipe avec, comme je t'ai dit, avec beaucoup de joueurs de talent, qui ont un gros collectif, hein, qui sont en capacité de presser très très haut, très bien, qui ont une maîtrise collective et technique
très bon niveau de notre championnat. Avec des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Que ce soit la board, que ce soit les joueurs qui sont autour de lui. Et puis, et donc des passeurs, que ce soit Bourigeaud, que ce soit Meyer. Voilà. Et les ailiers qu'ils ont, même s'ils ont. Ils ont Doku qui est blessé et T qui n'est pas là aussi, parce que T c'est un très très bon pourvoyeur de ballon et dans la finition aussi. Et puis dans un domaine à coup de pied arrêté, il récupère un garde qui est très très bon dans le domaine aérien, qui marque beaucoup de buts. À nous d'être vigilants sur ces phases-là et comme on a su l'être contre Lille. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme cette semaine, au moins côté numérique, sur l'arrivée de Youssef Belaïli au club. Comment toi tu accueilles cette arrivée ? Non, c'est une bonne chose pour lui. Il a des... Moi je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. Après, tant mieux pour lui, il a beaucoup de gens qui le suivent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va nous faire sur le terrain. Et je sais qu'il a les capacités pour dribbler, pour donner des bons ballons, pour finir aussi les situations, parce qu'il est capable de marquer des buts aussi. Voilà. Après, à nous de le mettre à un bon niveau physique, parce que le championnat au Qatar, la Coupe d'Afrique, c'est différent. Les matchs entre pays africains, c'est différent. Il y a beaucoup de force dans les équipes, mais après, il n'y a pas la même intensité qu'il peut y avoir dans un championnat français.